Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Nils et au menu ce soir, ça va être assez sympa. On repart de zéro sur le labo réseau. Ça veut dire que les, prochains, les, les prochaines vidéos, là, 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 cette, cette suite de, de vidéos qui s'annonce, on va reprendre tout ce qu'on a déjà vu précédemment. On va tout mettre dans un shaker, on va secouer bien fort. Et... Euh, et on va essayer d'avoir un truc qui soit plutôt sympa à, euh, à utiliser, à configurer. Euh... J'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche. Moi j'ai hâte. Salut Xavier, bienvenue à toi. Euh... Ça veut dire en gros que, euh, on va avoir, ben, comme on a pu voir les, les jeudis précédents, hein, on va faire du terraform, on va faire de l'Ansible, on va faire du Cloud Init, euh, on va faire euh, diverses distributions Linux. On va avoir du routage, du firewalling, euh, du serveur web. On va, on va tout faire. On va faire de tout. Euh, euh, franchement, c'est une suite de, de vidéos là, qui s'annonce assez, euh, assez costaud. Et, euh, et j'espère en tout cas que, euh, que ça vous amusera euh, autant que j'espère que ça m'amusera. Salut à toi aussi, Studio Cyanotype. <laughs> c'est gentil d'être dans le coin. Bien, bien, bien. Voilà. Alors euh, j'espère que, euh, que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. Parce que pour commencer, pour le moment, on va pas forcément toucher tout de suite à du terminal. Hein on, va, on va essayer de préparer un peu les choses. C'est un peu l'objectif de, de cette première vidéo. C'est euh, de, euh, de poser les bases, l'objectif. J'ai balancé plein de noms de techno là à l'instant, plein, plein de trucs en mode Ouais, on va faire de ça, on va faire de ça, on va faire de ça. C'est bien gentil, mais euh, on va peut-être essayer de se, euh, de se poser un instant, euh, se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un premier temps, peut-être même aussi dans un deuxième temps, et, euh, et, euh, et ensuite euh, évit éviter en fait de, euh, de partir droit, euh, comment dire, euh, à fond, à la tête dans le guidon. Euh, on va essayer d'être un petit peu plus, euh, un petit peu plus, euh... j'ai pas envie de dire organisé, parce que bon, des fois aussi c'est sympa quand c'est un peu le joyeux bazar. Mais, euh, mais l'idée, ça va être de. Euh, de d'être suffisamment euh, comment dire euh, de prévoir les choses suffisamment à l'avance pour pour euh, pour que ce soit euh, pas pas trop euh, comment dire pas trop fouillé mais euh, mais qu'on puisse s'éclater quand même c'est quand même le but voilà euh, voilou pour euh, pour cette nouvelle saga de vidéo qui s'annonce et euh, et donc et eh ben on va euh, on va, on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet. Euh, j'étais euh, en train de me dire que j'allais créer en fait le, le dépôt sur, sur GitHub euh, directement euh, tout de suite. Euh, je, je peux vous montrer d'ailleurs la, la création du repo qui est, euh, est d'ailleurs pas terminée. Hop j'étais en train de la créer directement sur, sur GitHub. Hop. Alors pourquoi est-ce que je commence par créer un, un repo sur, euh, sur GitHub euh, Tout simplement parce que, bah, comme je l'ai dit, l'idée c'est de, euh, de faire un, un, euh, un, un dépôt, euh, comment dire, c'est d'avoir dans, euh, dans, un, dans un même dépôt, de pouvoir remettre tout le labo réseau que j'ai pu créer, euh, enfin remettre le labo réseau, refaire un labo réseau un peu comme celui que j'ai pu créer et qu'on a pu voir dans des vidéos précédentes. Je pense notamment à celle sur. Euh, sur librenms, je pense à celle sur euh, le, euh, bah, le le botnet hein, euh, où euh, un peu plus il euh, y a un peu plus longtemps il euh, y avait aussi eu euh, bah, justement toute la partie, euh, toute la partie bgp euh, quand j'avais créé mes, euh, mes différents réseaux donc euh, l'idée c'est euh, c'est de tout mettre en fait dans un dans un même dans un même dépôt hop alors bon là vous voyez ma page euh, Ma page, comment dire Ma page de profil à moi. Euh, J'aurais aimé... Euh, alors voilà, par exemple, on a le... Ça, ça c'est le euh, le dépôt si vous vous rappelez des, euh, des, des vidéos précédentes. Et donc je l'avais mis en BSD euh, 3 close. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Hop, BSD 3 close. Ce sera très bien. Et on crée le dépôt. Voilà. Hop Donc voilà, il est initié. On va pouvoir... Copier-coller, hop, je vais vous montrer ça dans un instant. Et. Hop. Comme ça, c'est prêt. On n'aura plus qu'à s'en servir. Voilà. Il y a la licence, il y a le README, nickel. Donc, je disais, euh, j'avais fait des trucs avant. J'avais créé un labo réseau. Je l'avais déjà créé quelque part. Et, euh, et jusqu'à maintenant, on s'était euh, bien amusé avec. Euh, mais entre-temps, eh ben, on a pu acquérir un peu d'expérience à propos de ce labo réseau. Et c'est d'ailleurs le schéma que je suis en train de vous montrer. Hein, c'est ce, euh, ce qu'il est devenu de ce, de ce labo. Euh, on, a, euh, on a quand même euh, un truc, des trucs un peu, un peu partout. Et euh, moi, ce que je pense, c'est faire un truc un peu différent. Parce que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 routeurs qui font du BGP, il y a un serveur DNS, il y a euh, quelques firewalls, il y, euh, y a des machines un peu partout. Avec, ah oui, c'est vrai que j'avais fait, fait, fait un stream sur, sur un truc de VPN qui s'appelle Pre-Tunnel, qui est basé sur de l'openVPN, c'était assez intéressant. Puis euh, voilà, mes machines du botnet Mirai, euh, il voilà, y avait même une machine de, de pentest avec, avec Kali Linux dessus, et puis bah, justement on avait installé euh, Greenbone euh, euh, OpenVAS. J'avais même voilà un truc un petit peu plus euh, semblant de réseau euh, de réseau d'entreprise avec euh, un sous réseau pour pour une station de travail et un sous réseau pour des serveurs. Euh, tout ça c'est des idées que je pense reprendre et, euh, et ce que je me disais c'est bah, de repartir pourquoi pas euh, sur un autre euh, entre guillemets un autre format de réseau et, euh, et j'espère que vous me vous me direz en, en direct ou en, euh, dans les commentaires si vous regardez cette vidéo sur YouTube ce que, euh, ce que vous en pensez. Alors donc je vais repartir, bah, peut-être si je veux repartir, hop, nouvelle, euh, nouvelle page. Et puis j'essaierai je, peut-être de l'enregistrer dans un autre fichier. Euh, probablement créer un répertoire de documentation dans le dépôt GitHub que je viens de créer justement pour ajouter les... Euh, pour ajouter le... Euh, le schéma. Euh, alors plutôt que de le... Euh, Ouais, alors ça je vais le supprimer, on s'en fiche. Ah, ça c'était les histoires de raid, on s'en fiche aussi. Voilà, lui par contre on va le dupliquer. Voilà. Pourquoi je veux le dupliquer Parce qu'en fait, euh, on, va faire, on va faire un peu de ménage. Je voudrais me rebaser d'abord sur... Sur... Un pou, 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 pou. Alors ça, hop, de toute façon au besoin j'irai copier-coller. Hop là. Hop ça allez tout ça ça dégage hop voilà on va on va commencer gentiment et puis après on, on va itérer hein. hop voilà hop tout ça on n'a plus ça non plus Tiens, lui aussi Or. Hop. Hop, tout ça aussi là on y est presque voilà 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 là pour le moment qu'est ce qu'on a on a, euh, on, a euh, on a internet on a une machine qui fait office de routeur avec une adresse IP qui va en fait être l'hyperviseur et euh, le réseau classique Libvirt. Euh, je vais en profiter pour vous montrer d'ailleurs aujourd'hui à quoi ressemble le Homelab actuellement, enfin, euh, de, de façon un petit peu plus, euh, dire, concrète. Eh bien, on peut voir ici, là, sur, euh, sur cet écran de, euh, de, euh, de Virtual Machine Manager, de, euh, du, donc du, euh, du virt Manager, on a, euh, on a un paquet de machines virtuelles qui tournent. Et si jamais je fais, euh, je regarde les détails, eh ben, on peut voir que j'ai tout un tas de réseaux virtuels. Et donc là, c'est tout ce qu'on avait dans le schéma. Et euh, l'idée, c'est de reconstruire à nouveau donc, un ensemble de réseaux virtuels, de routeurs, de firewalls, tout ça, tout ça. Euh, et d'abord, de faire le schéma euh, qui, va, euh, qui va permettre de poser ça. Et donc, euh, tout ça, c'est dans un réseau, en, dans un sous-réseau. Euh, enfin, dans un sous-réseau. Tout ça, c'est derrière, dans une machine virtuelle, hein, si jamais je je viens ici et que je me connecte sur l'hyperviseur euh, et que je fais un sudo par exemple sudo euh, s list hop voilà on a on a, on a toutes les vm hein. euh, pop -pop c'était quoi déjà pour les réseaux euh, net netlist hop Voilà, donc voilà, hein, on, peut, on peut le voir aussi en terminal. Et donc là, je suis sur, euh, sur l'hyperviseur qui est plutôt, euh, plutôt costaud, hein, euh, et qui en plus s'est vu, euh, vu ajouter il y a quelques, euh, quelques semaines euh, un, euh, un SSD pour, pour stocker toutes ces machines virtuelles, ce qui fait qu'il devrait être un petit peu plus euh, rapide. Voilà, voilà. Euh, et donc, l'idée, ça reste toujours d'avoir un ensemble de réseaux, de sous-réseaux qui vont entre guillemets simuler une partie d'Internet, euh, pour qu'ensuite on puisse eh ben, euh, s'amuser, pourquoi pas, à euh, faire tomber un, un opérateur fictif, euh, euh, faire des manips sur un autre opérateur, euh, ce genre de choses-là. Je vais enlever pour le moment tout ce qui est adressage. Hop, cette histoire ici, là, voilà. Et euh, tout, tout sera de toute façon derrière le sous-réseau euh, Libvirt. Je vais peut-être zoomer un peu d'ailleurs. Voilà, comme ça on est mieux. Et, euh, et bien entendu, la machine, la machine euh, euh, Linux qui, euh, qui sert toutes ces machines virtuelles, elle, eh ben, elle va gérer, elle va faire passerelle aussi pour, euh, pour que tout ça puisse aller se connecter à Internet. Malgré tout, ça ira se connecter à Internet. Euh, parce que bah il faut bien des fois euh, ne serait-ce que installer les systèmes. Euh, je vais en profiter pour vous mettre peut-être le truc un petit peu plus droit parce que le truc a pas l'air ultra euh, ultra droit. Euh, hop hop voilà. Hop, toi aussi tu te mets hop, correctement, non Non il veut pas. Il veut pas se mettre à la verticale. Hein voilà. Hop. Ça, on va pouvoir... Alors lui, je suppose qu'il faudra le mettre centré, voilà. Euh... Non. Hop. Voilà. Et une fois que on... j'ai mon premier... Euh... Alors je vais peut-être l'élargir, le, peut on ne sait jamais. Je pense que pour des questions de... de lisibilité, on sera peut-être un peu mieux si c'est un petit peu plus large. Hop là. Donc pour le moment, je vais juste les enlever là. Et on va positionner. Allez, on va le positionner ici. On le met comme ça. Alors je suis un peu... Euh, je suis un peu psychorigide sur les... Euh, des fois sur ce genre de... Il n'a pas un... Il a pas un, un, un attachement euh, magnétique le truc là Non. Alors je sais, pour le moment, euh, pour le moment, je suis juste en train de faire du, euh, du, euh, du euh, comment ça s'appelle, du draw io, mais on va essayer de faire en sorte que ça devienne un peu plus intéressant assez vite. Alors, hop, et toi tu vas venir là, voilà. Et donc l'idée, euh, ce que je me dis, c'est que ça pourra toujours être sympa d'avoir des routeurs ici qui vont symboliser, euh, qui vont représenter les, euh, entre guillemets les, les bordures de réseau de, de, ces, euh, de ces fournisseurs d'accès euh, fictifs. Et euh, je me dis que ça peut être pas mal d'en avoir deux, parce que comme ça, je vais pouvoir ensuite euh, tester qu'est-ce qui se passe si jamais j'en coupe un. Est-ce que, euh, est que par exemple tout toute la sortie vers Internet passer sur un seul routeur, qu'est-ce qui se passe si je le coupe, est-ce que tout le trafic va bien passer par l'autre routeur Ça, En tout cas, c'est un, un des trucs que j'ai envie de, de voir. Dans l'ancien euh, euh, HomeLab, euh, on avait au total 6 six, euh, six routeurs qui désignaient 6 six, six fournisseurs d'accès différents. Je pense que je vais rester sur 6, c'est un, un bon nombre, je trouve. Et euh, par contre, je ne pense pas que je vais les organiser de la même manière. Je pense que je vais les organiser plutôt... Alors, plutôt comme ça. Je vais mettre deux comme ça. Et je vais remettre deux autres ici. En fait. Et l'idée, ça va être qu'en fait, on est... une disposition circulaire, je dirais même une disposition en anneau. Hop, euh, on va le mettre là lui et ça va aller ici. Voilà. Alors j'imagine que visuellement il doit y avoir un petit peu plus, euh, un petit peu plus sympa, mais pour le moment On va être comme ça. Hop là. Salut Jonathan. Alors, tu regarderas le live en replay. Oh, bah mince alors, t'as la grippe. Bah écoute, repose-toi bien, c'est le principal, hein, la santé d'abord. Euh, repose-toi bien. Euh, alors, c'est pas super joli, joli. Je pense que ouais, je vais le, hop, je tout le mettre ici. Et là on va faire pareil, on va plutôt les mettre là. En tout cas c'est très gentil d'être passé, Jonathan. Merci beaucoup. Euh... Voilà. Donc ça c'est un peu l'idée que, euh, que je me faisais du, de la chose. Et, euh, et, euh, et ensuite de pouvoir, euh, euh, si on veut, voilà, euh, passer d'un réseau à l'autre. Et euh, par exemple, eh ben... Euh, celui-là en haut à gauche, ça va être le, le fournisseur d'accès numéro 1. Et bien, s'il veut atteindre le fournisseur d'accès numéro 3, il va devoir passer par le numéro 2. Et, euh, et ainsi de suite. D'ailleurs, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais même reprendre le truc là. Hop. Non, ben je vais reprendre ça, tiens. Hop. Si jamais je le colle là, qu'est-ce qui se passe Il vient ici. Est-ce que je peux lui dire d'aller derrière Oui, je peux. Euh, et ce que je peux peut-être faire, c'est, rendre le truc un petit peu plus, euh, plus petit, on va dire. Alors, hop. ça risque de faire un peu, euh, un peu beaucoup. Alors, si je le descends là, ici, hop. Bon, idéalement, j'aimerais, voilà. Bon, alors du coup, ça, faudrait que ça aille en bas plutôt. Euh, Est-ce qu'il y a moyen qu'ils me disent. Euh... Hop Ouais Texte Hop Alors, le texte, je le mets en bas. Ça va. C'est presque lisible. <laughs> Mais voilà. Et en fait, ce que je me dis, c'est que je vais passer dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ce que je peux faire, c'est. Euh... Hop Faire un petit copier-coller. On va le mettre ici. Et lui, on va l'appeler ISP2. Je ne suis même pas obligé de laisser ASN, je peux mettre AS comme ça. Voilà. Hop. Et toujours backward. Voilà. Non. Tout back. Voilà. Voilà. Donc ce sera à peu près l'idée c'est euh, d'aller 1, 2. On, on, va, on va les mettre tous comme ça, au moins ce sera fait. Hop. Comme ça, je vais voir ensuite si. Euh, si niveau lisibilité, ça peut être amélioré. Hop. Je vais faire les... Euh... C'est quoi C'est Shift CTRL B. Ok. Hop. Hop. Salut Manon. Tu es en no sound. Ah. Ah mince, tu arrives vers 21h. Pas de soucis. C'est déjà super d'être euh, là. Hop. Voilà. Donc, on va mettre ici ISP3. Hop. Ici, on va mettre l'ISP4. Oui, tiens, d'ailleurs je pourrais aussi. Hop. Hop. Donc là, ce sera l'ISP6. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre, il est, il est passé en... Il a plus de gras, lui Hop, En gras, centré. Ah, c'est mieux. Allez, et l'ISP5. Voilà. Donc là, ça, c'est le premier truc que, euh, que j'avais envie de, euh, de vous montrer, c'était euh, par rapport par rapport au euh, à l'existant où on avait les trucs où euh, je me rappelle hein, j'avais fait au début euh, je vais faire ça je vais faire ça tiens euh, je vais rajouter celui-ci ensuite et celui-là et puis ensuite je me suis dit tiens je vais en rajouter deux je vais les mettre comme ça ça va être marrant il va y avoir un, un, un pareil épipède ici ça va être euh, ça peut être ça peut être amusant mais euh, mais parfois c'est un, un petit peu difficile à, à suivre. Même si effectivement le, la réalité de l'Internet fait que euh, certains opérateurs sont euh, connectés à d'autres, euh, parfois à, à un seul, enfin bref. Euh, ici ça va être certes un peu plus joli, mais rien ne nous empêche après dans le futur, si jamais en ai, euh, on en a, on a envie de tirer un trait entre euh, l'ISP5 et l'ISP1 ou l'ISP5 et l'ISP2. Hein. Après, on pourra très bien avoir un maillage complet euh, à ce niveau-là. Hein. Euh, parce que là, euh, l'ISP2, aujourd'hui, il serait connecté à l'ISP1 et 3, mais on pourrait rajouter une connexion à l'ISP4, à l'ISP5 et à l'ISP6. Ça pourrait être amusant de voir ensuite comment, euh, comment le, le, trafic, euh, le trafic change. Donc ça, en tout cas, c'est la première idée que j'ai. Et ensuite... Euh, on pourra ajouter, alors je, je pense que euh, je vais rester dans l'idée où, euh, où, où les ISP qui sont ici, donc du coup ce sera le 1 et le 2, vont avoir euh, un, un, trafi un trafic qui ne sera pas forcément avec, avec des firewalls et des, euh, et des stations de travail, mais euh, peut-être plutôt, euh, plutôt dans un premier temps juste du, euh, certains petits services, genre typiquement du DNS. Histoire que je puisse avoir une, euh, une zone interne euh, et que je puisse couper en fait ce, ce lien là euh, voire même couper entièrement ce réseau là et avoir euh, ma, ma bulle entre guillemets euh, qui est autonome et qui est pas dépendante de ce, de ce réseau là d'où le fait d'ailleurs que j'ai mis ici une euh, un lien réseau ce que ce que je vous propose tant, tant qu'on y est c'est que je vais définir peut-être euh, quelques réseaux aussi euh, je vais le mettre comme ça pour le moment. Hop. On va le mettre ici. Et en fait, ce que je me dis, c'est que chaque, chaque opérateur aura au moins un réseau, euh, un réseau principal. Et en fait, tout, euh, tous les autres réseaux d'interconnexion, ils vont exister aussi. Euh, si je reprends sur ce truc là, j'avais mis comme ça. Ok. Allez. Hop. Donc là, par exemple, typiquement, ce... ah bah, j'aurais pu prendre ici. Euh, bah, tiens, c'est ce que je vais faire, vu qu'il est droit, ce sera mieux. Et pour être raccord, entre guillemets, avec le, le vrai Internet, euh, ce qu'on peut trouver comme, euh, comme, euh, comme comportement, c'est que les réseaux d'interco, ça va être que des slash 24 puisque euh, généralement on, on, euh, on ne fait pas euh, plus petit que des, des sous-réseaux euh, sous euh, slash 24, donc des, euh, des, des sous-réseaux qui font euh, 200, 254 adresses IP. Et je vais prendre la plage privée euh, en 10.0. Euh, et ce que je veux faire, c'est avoir en fait des, euh, des plans d'adressage euh, de la même façon que j'avais fait sur l'ancien euh, HomeLab. Par exemple là, euh, le réseau d'interconnexion... Entre ISP1 et ISP2, bah il s'appelle 10.1.2.0 slash 24. Enfin, il s'appelle IS numérote. Et pourquoi j'ai choisi cet adressage-là Parce que c'est 10.numéro euh, du premier euh, fournisseur point .numéro du deuxième fournisseur. Et ce qui va m'intéresser aussi d'avoir un réseau un petit peu large. Alors j'aurais peut-être pas forcément eu besoin d'un slash 24, mais l'idée de pouvoir mettre un peu plus que 3-4 adresses IP, c'est que je... Dans l'immédiat, on va démarrer comme ça, mais j'aimerais bien à un moment, pourquoi pas, euh, euh, peut-être un ISP3 ou un ISP4, dire, eh ben, au lieu d'avoir un seul routeur de bordure, euh, eh ben, pourquoi pas en mettre deux Ça, ça, peut, être, ça peut être intéressant. Donc, l'ISP1, eh ben, ça va être 10.1.2. Voilà. Donc ça va être ce réseau-là, il va être là. Et ainsi de suite. Donc ici, ce réseau d'interco-là il va être de 2 vers 3 donc il va être en 10.2.3.0 et ainsi de suite alors pour l'instant je les place à l'horizontale alors vous allez me dire du coup je potentiellement je gâche peut-être pas mal de sous réseau euh, on verra après euh, si ça se trouve je vais pas avoir besoin d'autant de euh, je vais avoir euh, hop 4 à 5 Parce qu'effectivement là je vais gâcher peut-être tous les 10.4 mais bon après il y aura des réseaux derrière. Ici entre les deux, ça va être de 5 à 6. De 5 à 6. Et pour finir, et eh ici ce sera de 6 à 1. hop euh, toi tu as le clavier par intermittence xavier c’est à dire au niveau son tu, euh, tu le, le son du clavier te euh, vient, vient perturber le, la voix Alors... Ah, tu répondais à Manon, d'accord. Salut Alain B, bienvenue à toi. Bienvenue sur, euh, bienvenue sur la chaîne d'ailleurs, First Time Chat. Euh, donc là déjà, j'ai tous, euh, tous mes réseaux d'interco, je vais peut-être les basculer. Euh... Ah non, pas du tout, tu cuisines, d'accord. Hop, on va les mettre un petit peu en, en biais comme ça, et on va les mettre ici. Voilà. Alors j'aurais peut-être dû faire plus large. Mais euh, si jamais je dois retravailler euh, en taille, je ferai ça à un autre moment. Euh, J'espère à un moment où je serai euh, hop, pas, en, pas en live. Parce que je pense pas que ça va être super intéressant de me voir euh, faire des, euh, des schémas non plus tout le long. On n'est pas là que, que pour voir du schéma. Et voilà. Bien! Et Ensuite, eh ben, il va y avoir les réseaux, euh, le, dire, le réseau principal. Hein. Donc, ici, celui-ci. Par exemple, ici aussi. Et lui, bah, comme c'est ISP1, bah, il va avoir droit, vu que c'est son premier réseau, ça va être 10.1.0. Et lui, ça va être 10.2.1. Voilà. Et lui, bah, ce sera 10.3. A chaque fois, je vais mettre selon le numéro du, euh, du fournisseur que j'ai euh, indiqué. En fait, comme ça, ce sera assez vite euh, rapide à, euh, à comprendre. Euh, on pourra, euh, on pourra se dire, ah tiens, euh, la machine, elle est, euh, elle a telle adresse IP, elle est chez tel, euh, chez tel, tel numéro d'opérateur. Hop. Donc déjà. Déjà, ça, ça va être pas mal. Ensuite, euh, ce qui va m'intéresser, ça va être effectivement de mettre des serveurs DNS. Et euh, je pense que je vais faire de la même façon qu'ici. Hein. Je, vais, je vais mettre un, un serveur DNS là. Hop. Voilà. Et je vais sans doute vouloir en mettre un deuxième par précaution. Et on va le mettre là aussi, je pense. Hop. Et... mais par contre du coup son, IP, son adresse IP sera pas la même hop, puisque ce sera 10.1.1.53 ici et ici on sera donc en 10.2.1.53 alors le .53 est presque totalement arbitraire c'est juste que euh, je pense que ce sera facile à retenir. Remarquez, euh, je suis en train de me dire que ce sera peut-être même plus court de mettre 10.1.1.1. Non, on remarque ce sera l'IP du routeur. Euh, je, vais, je vais rester sur les 53. Ce sera très bien. De toute façon, il euh, y a de la place. Euh, et là, ensuite, pour le moment, je ne sais pas trop. Mais ce qui est certain, c'est que je vais vouloir mettre au moins une machine dans un premier temps. Pour pouvoir euh, ensuite euh, faire des... Euh, faire des... Euh, comment dire, bah pourquoi pas des trucs un petit peu plus étendus, genre effectivement avec un firewall et, euh, et, euh, et une, une, machine, une machine bureautique, ou, ou avoir un, un, un... comment dire, un un, un... un opérateur avec que des machines, des machines de type serveur. On pourrait d'ailleurs envisager que ce soit l'ISP3 par exemple. Que ce soit... Euh, un opérateur type de, euh, de serveur dédié, par exemple, hein, un cloud public. Euh, on peut envisager comme ça. Allez, on va le mettre comme ça. Euh, je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre. Hop. On va le mettre comme ça. Ça, on va le basculer à la verticale. Hop, 90 degrés, voilà. Donc ça, on va le remettre à 90 degrés aussi. On va le glisser ici. Ça, ça va aller derrière. Voilà. Et on pourra euh, envisager d'avoir comme ça. Alors ce que je vais peut-être faire c'est que je vais mettre... Hop. Je vais enlever ça, on va faire juste une... Non, décidément. Une machine ici, Hop. une machine là. Et euh, ce que je vais faire, c'est... Euh, je sais pas, j'ai pas une icône de serveur. Ouais, alors les icônes de serveur, elles sont pas ouf. Hein. Si j'ai une icône euh, VPS par exemple, est-ce que j'ai. Non, VPS, non. Euh, virtual, non, parce que j'ai une icône de VPN, j'ai des icônes de, de cloud. Euh, si je tape C2, euh, c 2 tiens. C'est quoi ça C'est le système manager. Amazon EC2. Ouais, bon, ouais, il est un peu moche, mais. Euh... Il, est, il est quand même gros le truc. On va le. On va, on va... Je peux pas retirer ça. Euh, ah je peux peut-être mettre un nom ici. Alors du coup ce que je peux faire comme nom, vu que ça va être des machines qui sont ISP3, on va être ISP3, VPS, euh, VPS1 par exemple. Je ne vais pas non plus en faire 25. Euh, je vais peut-être le descendre un petit peu plus petit. Voilà, très bien comme ça. Peut-être devoir le, le mettre ici. Voilà. Hop. Et donc là, on aurait le VPS numéro 2 et là le VPS numéro 3. Donc ça pourrait être ça pourrait être sympa comme euh, comme setup. Donc euh, on aurait, euh, on aurait ces, deux, euh, ces deux opérateurs qui pour l'instant auraient juste le DNS. On pourrait ensuite envisager de mettre d'autres services, hein, mais, euh, mais dans l'immédiat, ils auraient juste le DNS. Et puis ensuite, euh, on aurait euh, cet ISP-là qui a que des, euh, que, des, euh, que des VPS. On pourrait imaginer un ISP-4 avec euh, des, un opérateur plutôt à euh, portée professionnelle. Donc dans ce cas-là, eh ben. Euh, Comment j'avais fait moi à la base ici L'ISP4 Ouais, l'ISP4 il était, il était un peu. Euh, il ne servait pas à grand chose. Euh, mais c'était plutôt l'ISP2. Euh, a... Ah non, l'ISP. Ouais, c'est ça, c'est l'ISP2 qui avait un réseau. Euh, qui avait euh, ensuite un. Entre guillemets, un client. Qui avait des, euh, des trucs. Euh, euh, avec genre un firewall, ce genre de choses-là. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais juste mettre le firewall. Hop, on va le mettre ici, puis on va l'appeler, euh, on va lui donner un nom, texte, c'est bien ça, on va l'appeler ISP, ISP4 client1, hop, on va juste le mettre ici pour l'instant, on va pas forcément le connecter, ce sera juste pour, euh, pour le, euh, pour prendre, euh, on va dire, euh, prendre l'idée. Et là on veut peut-être faire la même chose d'ailleurs. Euh, tiens d'ailleurs, euh, je vais peut-être retirer ça. J'aurais peut-être aimé qu'il me mette... Euh... Comment j'avais fait ici Ah j'avais rien mis. Ok. Donc euh, voilà, on va, on va laisser... Euh... Alors... Ah voilà. ISP, ISP4, client, client 1. Et on va mettre ici entreprise. Et puis ici, on va faire euh, ISP5. Euh, Client, euh, client 1 et on va mettre entre guillemets particulier Parce que ça c'est un truc que j'avais trouvé intéressant d'avoir, euh, de, euh, de faire de la distinction avec des euh, d'avoir euh, des cas de figure où là par exemple il y a juste, euh, juste un, un simple client enfin euh, un simple client, un simple, un simple firewall avec juste une, une, un poste de travail enfin un poste de travail, hein, un, poste, un poste on va dire personnel, euh, particulier alors que là on avait des trucs un petit peu plus un euh, petit peu plus complexe et, euh, et lui, pour le moment, je ne sais pas trop à quoi il va servir, mais euh, on, on verra bien à ce moment-là. Voilà, voilou. Pour le moment, euh, ce que ça donne euh, niveau euh, niveau euh, niveau schéma, euh, je pense qu'on est déjà pas mal. Et euh, je pense que euh, je vais euh, Hop. labo euh, réseau. Hop, voilà. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer. Alors, save as on va aller dans le répertoire Git. Alors, et on va créer un répertoire doc. Voilà. Et on va l'appeler euh, Labo réseau. Euh, on va l'appeler euh, schematics. Hop, schematics. Voilà. Je save. Et du coup, ce que je vais faire là, c'est que remanons. je vais du coup supprimer ça. Je vais supprimer celui-ci aussi, vu que de toute façon, je l'ai ailleurs. D'ailleurs, j'en ai profiter pour faire un open récent, qui est donc l'ancien, qui est ici. Voilà, il est en train de s'ouvrir dans une autre fenêtre. Mais eux Pourquoi il m'affiche pas le... Bon, code error. Génial. Alors je sais que j'ai pas mis à jour euh, DrawAyo depuis un petit moment, mais quand même. Ah il était, il était pas dans ce endroit-là. C'était euh, celui-là. Mais du coup, il me l'a fermé. Ah oh, punaise. Allez, New. Voilà. Open existing diagram. Ok, il m'ouvre le truc à l'arrière, sinon c'est pas drôle. <coughs> Hop. Alors du coup il me l'a. Il me l'a mis en quoi Hop. Ah il lui a pas donné l'extension, c'est pour ça. Alors. On va le quitter. Hop. Voilà. Allez. Une nouvelle fenêtre. Open existing. Voilà. Là, il le trouve tout de suite. Nickel. Super. Donc, là, j'ai bien. J'ai bien mon labo réseau. Voilà. Euh, je vais peut-être l'appeler autrement d'ailleurs. Euh, network. Voilà. Parce que bon, l'idée ça va être de tout documenter en anglais des fois que quelqu quelqu'un, de non francophone ne, euh, tombe dessus. Euh, donc pour le moment, pour le moment c'est pas mal. Euh, euh, donc ici, hop, ce sera du DHCP. Hop, en théorie ou pas. Mais en gros, en gros on s'en fiche, en fait. Euh, très bien. Donc là, on va pouvoir. On va pouvoir faire les, les, premiers, les premiers commits, au moins. Euh, allez, git add doc. Euh, Est-ce que je risque pas d'avoir la blague euh, Si, je risque d'avoir la blague. Euh, ouais, si je veux le faire, allez. git add doc schematics .io. Hop git commit -m Voilà. Allez, git config user.name Salut Changji Wang, ça fait un moment, dis donc. Bien, Bienvenue parmi nous. Hop, on le commit. Voilà. Eh bien, euh, ce soir, on, on, repart, on repart de zéro, Changji euh, Wang. Je ne sais pas si tu avais, euh, tu avais été là euh, durant l'époque où j'avais euh, fermé mon, euh, mon labo réseau virtuel. Je ne sais pas si tu, euh, tu, tu étais passé à cette époque-là. Et euh, je me suis dit qu'on allait le reprendre depuis zéro. Et, euh, et donc, je commence par euh, faire le schéma, en fait, contrairement à la fois précédente. Hein. Et, euh, et comme tu peux le voir, voilà, on a un schéma avec six, six routeurs principaux qui vont, euh, qui vont définir six fournisseurs d'accès euh, et qui vont, euh, qui vont ensuite euh, avoir des services derrière des services, des clients, des, euh, des, ch des choses comme ça. Voilà, voilà. Et euh, l'objectif de, euh, de ce Labo réseau, ça va être qu'il soit fait en infrastructure Ascode. Donc là, tu vois, je suis dans un répertoire là, sur, ma, sur ma machine qui s'appelle Lab Ascode, dans, euh, dans un emplacement où je mets euh, mes, euh, mes dépôts Git de GitHub. Et euh, d'ailleurs, je vais pouvoir maintenant vous filer l'URL euh, euh, vers le. Euh, le dépôt public qui pour l'instant est absolument pas prêt, mais c'est pas grave. C'est euh, release early, release often, qui disent, euh, qui disent. Alors, d'ailleurs, je vais peut-être le mettre dans, euh, dans, le, dans les liens du live. Euh, L'occasion pour moi de vous rappeler l'existence du Discord, dont le lien est par ici ou alors dessous si jamais vous regardez sur YouTube. Et qu'en plus du, euh, du Discord, eh ben, euh, il y a donc, euh, si vous regardez sur YouTube, il eh ben, y a une chaîne Twitch pour me regarder en direct. Euh, et euh, si, euh, pour celles et ceux qui me regardent donc en direct ou en replay sur Twitch, il eh ben, y a une chaîne YouTube pour les, euh, les replays de vidéos euh, dont euh, la reste est en dessous. Et euh, sinon, il eh ben, y a toujours les réseaux sociaux. Alors, ils sont indiqués par là euh, ou, euh, ou en dessous. Je crois qu'il y a un point, point d'exclamation social socials qui marche euh, normalement. Alors, pour le moment, il n'y a pas grand chose dans ce repo. Il y a juste de la doc et un potentiel euh, Gitignore pour pour du terraform. Euh... Alors pour le schéma réseau, j'utilise draw.io, euh, diagrams.net euh, et en fait j'utilise le client lourd euh, plutôt que d'aller sur le site. Je préfère utiliser le client lourd. D'abord parce qu'il n'a pas besoin d'internet euh, pour fonctionner dans ce cas-là. Euh, euh, bon après je sais c'est une appli électron hein, et je sais qu'on peut déployer aussi la web app chez soi, enfin chez soi en, en auto-hébergé, mais euh, je préfère euh, dans l'immédiat vu que je ne enfin, vais pas monter un serveur juste pour, mon, pour mettre un drop.io. Donc j'utilise le client lourd. Voilà donc là pour l'instant on a déjà un premier euh, je dirais une première, euh, une première vue de ce que va être le euh, le, euh, le nouveau labo réseau. Et alors pourquoi le Has code Eh bien euh, parce que euh, quand j'avais fait le labo, euh, le labo réseau, je l'avais fait entre guillemets à la main, j'avais popé les VM une à une, euh, j'avais tout configuré manuellement, et là cette fois-ci... Euh, grâce euh, aux, euh, aux séries de vidéos précédentes qu'on a fait les, les, les jeudis précédents et eh ben je vais vouloir déployer euh, toute, cette, toute cette infrastructure en utilisant les outils d'infrastructure Ascode. Tout à fait, on va vouloir automatiser le déploiement. Donc ça veut dire faire du Terraform, faire du Cloud Init, faire de l'Ansible et, euh, et espérer que euh, je, puisse, euh, je puisse déployer, par exemple, sur deux machines différentes, exactement la même plateforme. Et de cette façon, euh, par exemple, bah toi, Shangji Wang, si tu as euh, les ressources euh, nécessaires sur ton ordinateur, euh, tu pourras envisager de récupérer le code euh, de, euh, qui, est disponible sur, euh, qui sera disponible sur GitHub et euh, lancer toi-même euh, en quelques minutes. J'espère en quelques minutes euh, le, même, le même labo réseau. Alors honnêtement, quelques minutes, euh, je pense que ça va être, euh, ça, va être euh, ça va être difficile. Je pense que ça va être difficile. Mais... Pourquoi pas euh, J'ai fait, fait quelques tests. Euh, j'ai fait quelques tests sur un, sur un ordinateur où j'ai euh, déjà réussi à, à lancer le. Euh, et je pourrais essayer de le casser. Bah oui mais oui, c'est ça qui est génial, c'est que tu vas pouvoir euh, le, mettre, euh, le mettre en place chez toi, euh, le casser, et euh, tu auras le droit de garder les morceaux. Rien que pour toi. Euh, et, euh, et si jamais ça t'embête que ce soit cassé, bah, tu pourras vraiment tout effacer. Et, euh, et le relancer. C'est en tout cas l'idée. C'est. Euh, ça met. Euh ça, ça faisait partie des choses. où Je me disais tiens, ça pourrait être intéressant d'automatiser ce genre de choses-là. Et ça m'a vraiment, vraiment, euh, comment dire, en termes, ça m'a vraiment marqué l'esprit. Quand alors, je sais plus où c'est indiqué. Hop là, ah, j'ai perdu le clavier. Alors, est-ce que ouais, le clavier est de retour. Hop. Euh, si vous vous rappelez, euh, quand on avait fait des tests, euh, on avait fait des tests avec euh, ce firewall là. Où on l'a où je l'avais un peu maltraité genre j'avais changé les euh, les euh, j'avais changé les, euh, les drivers virtuels, enfin euh, les, les, les émulations de cartes réseau des trucs comme ça il avait perdu sa conf ça avait été euh, ça avait été un, un, un bazar monumental et aujourd'hui la machine elle est pas euh, elle n'est pas dans un état très stable et ça m'embête parce que du coup je ne sais pas comment faire à part la réinstaller et me dire ah oui tiens j'avais dû paramétrer ceci j'avais dû paramétrer cela je ne sais pas trop comment y revenir alors que pourtant, euh, j'avais pourtant fait des sauvegardes de, de conf, mais bon. Euh, donc, je me dis que ça, ça sera vraiment intéressant que bah, si jamais je maltraite à nouveau euh, le, euh, le, euh, le truc, euh, je, pourrais, je pourrais le réinstaller from scratch. Alors, après, Manon, ça c'est le, le legacy. Hein. <laughs> je, je, le, 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 ça c'est la plateforme historique, <laughs> l'ancienne plateforme qui, qui va être détruite à un moment. Et qui ne sera pas, euh, ne sera pas euh, revenu, enfin qui ne reviendra pas, qui sera pas recréé. Par contre, l'idée c'est que voilà, maintenant qu'on a, j'ai un peu d'expérience, et ben euh, voilà, pour le moment, euh, l'idée ce serait déjà dans un premier temps d'avoir les, les routeurs comme ça, et donc potentiellement bah, quelques, euh, quelques machines euh, serveurs. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est que euh, dans mon dépôt et eh ben on va, commencer, euh, on va commencer à faire euh, un petit Terraforme Terraform hein, à un moment. Quelle heure il est 20h49. Donc, ça fait déjà un petit peu plus de 3 quarts d'heure de stream, je crois. Euh, pop, 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 Ah non, on est à 50 minutes de stream. Ah oui, j'ai démarré un petit peu en avance. Toujours est-il que, voilà. J'ai mis un bouton rouge dans ma wishlist. J'ai mis un bouton rouge dans ma wishlist. Euh. Alors attends, du coup je vais aller regarder ma wish list. <laughs> euh, ma wish list. À quoi elle ressemble ma wish list Parce que je, je crois que euh, je crois qu'en plus elle a été. Euh... Ah oui tiens, ça faut que je le supprime de la wish Hop là. Voilà. Mais à la limite, euh, un bouton rouge. Si tu en trouves un, euh, ça peut être drôle. <laughs> bien. Euh, au boulot, on rêve d'avoir un gros bouton rouge sur lequel on pourrait appuyer pour déployer en masse ou supprimer en masse des serveurs. Ce serait amusant. Ce serait amusant, effectivement. Euh... Pas de soucis euh, si t'as si oublié le point d'interrogation. Mais non, je n'ai pas mis de, de bouton rouge dans ma wishlist. Euh... <laughs> pour l'instant, dans la wishlist, il y a des ventilateurs. <laughs> si, jamais, euh, si jamais certains ou certaines euh, veulent... Euh... Veulent m'aider me, euh, me d'ailleurs sur le, sur le home lab. Je rajouterai bien quelques ventilateurs euh, 14 cm euh, pour faire euh, plus d'air et euh, moins fort. <laughs> enfin, moins fort, moins bruyant. Hey, merci pour le follow, euh, Arpenteur DF. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. J'en déduis que euh, ce que tu regardes pour l'instant t'intéresse. Et ça me fait très plaisir de. Euh, de voir des nouveaux follow. Euh... Donc, euh, où est-ce que j'en étais, moi Oui, je, je viens de créer mon répertoire Terraform. Qui, pour le moment, est vide. Il est euh, tristement vide. Et, euh, bon, on va commencer peut-être à le peupler, non Qu'est-ce que vous en dites Venu depuis Emile. Ah oh, bah merci, Emile. Euh, il n'a pas l'air d'être là ce soir, mais euh, je, lui, je lui glisserai un merci pour... un. Euh... Pour, le, pour la pub. C'est euh, toujours euh, adorable de sa part de m'envoyer une partie de sa communauté. Moi, ça me fait toujours très plaisir. Puis, il fait, il fait des trucs fantastiques, Emile. Si vous ne le suivez pas, allez voir Emile euh, NB sur Twitch. Vous m'en direz des nouvelles. Il stream les mercredis et les, euh, et les samedis, alors que moi, je stream les jeudis et les dimanches, exprès pour ne pas, euh, pas streamer en même temps que lui. Euh, tiens, d'ailleurs, il, il, il avait streamé ou pas hier soir finalement Parce qu'il y, eu, euh, y avait eu un truc important à la télé, je crois. Euh, à la télé française, hein, j'entends, parce que Emile, euh, Emile est en Espagne. Euh, où est-ce que j'en étais moi Donc, nope, il a pas streamé. Ok. Euh... <laughs> C'est qui Emile euh, Alors, chez Wang, tu vas, tu vas sur twitch.tv/slash. Uh, slash uh, U slash IMILNB. Uh, je, uh, je vais te partager ça dans un instant. Hop, Hop là. Il ah, n'y a même pas le besoin du slash U. Hop. Hop. Tac. Et je vais aussi le mettre d'ailleurs dans les liens du live. Voilà. Alors, donc j'ai créé, créé un premier répertoire Terraform dans lequel je vais vouloir mettre, euh, mettre des, euh, bah, des choses pour pouvoir gérer ma, mon, euh, mon infrastructure à code euh, Ce que je voudrais d'abord regarder, c'est qu'est-ce que j'ai de là-dessus. Ouais, ça va. J'ai pas grand-chose d'important. Et au niveau des réseaux. Il n'y a que dalle de OK et storage, storage, ça va. Ok, super, nickel. Alors, ce que je vais faire, euh, c'est que je vais vouloir faire du Terraform, comme j'ai pu faire dans certaines vidéos avant. Mais euh, dans certaines vidéos avant, euh, j'avais fait euh, du Terraform sur euh, l'infrastructure Google, sur Google Compute Platform, GCP de son petit nom. Et, euh, et, euh, et donc, ce qui se passe, c'est que, euh, bah, c'est que là, j'ai une machine serveur euh, sous, mon, euh, sous mon bureau, et cette machine serveur, c'est pas une machine GCP. Donc, je ne peux pas m'y connecter de la même façon. Et, euh, et donc, euh, l'idée, c'est quand même via Terraform de pouvoir popper des machines virtuelles. Et, euh, et des sous-réseaux euh, virtuels, ce genre de choses-là. Et euh, ce qui est assez chouette, c'est qu'il existe euh, ce qu'on appelle un provider pour Terraform. Alors un provider, c'est quoi C'est un bout de code qui permet de dire à Terraform, ben voilà, euh, tel fournisseur de cloud, tu peux t'y connecter comme ça, euh, avec son, euh, son API. Euh, alors du coup, euh, Terraform aujourd'hui est très utilisé, notamment avec AWS. Amazon Web Services, euh, donc il y a un provider AWS hein, qui permet du coup euh, via Terraform de pouvoir euh, créer et gérer, bah, par exemple, euh, des, euh, des machines virtuelles c2, euh, euh, du stockage bloc euh, S3 et ce genre de choses là. Et euh, comme on a vu, eh ben, euh, on peut aussi gérer donc chez GCP, on peut gérer euh, du, euh, du, Mi du Microsoft Azure, du Oracle Cloud, ce genre de choses là. Et, euh, il existe aussi des, des providers pour des solutions de cloud privé. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cloud privé bah, Je veux dire des solutions de virtualisation qui permettent à des entreprises de créer leur cloud interne. Typiquement, un provider pour bah, VMware. Euh... <laughs> c'est normal que le monsieur Emile se déguise en ami. Euh, oui, c'est normal, ça l'amuse. Il aime bien se déguiser de temps en temps. Et... Ça l'amuse. Donc, il existe un provider par exemple pour VMware, euh, pour, euh, pour d'autres solutions de virtualisation dédiées comme XCPNG, Xen Orchestra, ou même euh, Proxmox. Et il existe donc aussi euh, un provider pour la solution de virtualisation que j'utilise qui est Libvirt, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est un peu euh, la solution de. Euh... Les guests de Emil, c'est particulier. Oui, tout à fait, mais c'est ce qui fait son charme. Et donc c'est assez sympa d'avoir un provider comme ça, parce que je vais pouvoir mettre, euh, mettre utiliser ce provider pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, comment dire, bah, pour pouvoir via Terraform euh, créer des machines virtuelles et des sous réseaux virtuels dans, euh, dans libvirt. Donc, et ben, on va créer un main.tf et puis on va mettre un peu ce qu'il met ici là, tout simplement. Hop, et une fois que j'ai fait ça, hop, alors je vais me déconnecter de euh, mon hyperviseur, je vais aller dans mon git, GitHub, euh, et donc je l'ai appelé la base code. Dans mon Terraform. Alors j'ai déjà Terraform installé, hein, puisqu'on l'a fait pour les c'est euh, orienté dev bas niveau. Euh, alors c'est vrai que oui, euh, il a fait une, toute une saga euh, C from scratch et Linux from scratch. Euh, mais en fait, c'est pas pour que les gens deviennent forcément des développeurs. C'est que en fait le but, le, le en fait la, comment dire le, 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 ces streams là, ces vidéos 10000, elles partent d'un constat de sa part, c'est que de plus en plus de gens euh, qui font de l'admin 6 euh, sous Linux n'ont pas la moindre idée de comment ça marche dessous. Voilà. Plus comprendre ce qui est sous le capot. C'est-à-dire que euh, là, moi, euh, aujourd'hui, euh, si jamais j'ai un écran noir sur ma machine, je vais avoir, euh, je vais commencer à me poser des questions sur est-ce que la partie graphique m'a lâché Pourquoi Aller chercher des messages d'erreur dans, dans le varlog, euh, avoir une idée que ben euh, ma pile graphique aujourd'hui c'est euh, Xorg, euh, que euh, le driver il euh, bah, y a un driver euh, un driver euh, vidéo euh, de chaîne Nvidia en l'occurrence dans mon cas de figure. Enfin euh, et euh, et en fait il y a des trucs de base comme bah, justement euh, l'initialisation du système d'exploitation. Euh, alors aujourd'hui avec système D, mais avant avec bah, limite système 5. Et, euh, et c'est vrai que Émile euh, a eu euh, des expériences d'entretien de, d'embauche, euh, où c'était lui qui donnait l'entretien d'embauche, où les, euh, les candidats en face euh, se disaient être des cadors en Linux et n'étaient pas capables de détailler la séquence de boot d'un Linux. Voilà. Donc, euh, quelque part, il veut, euh, il veut faire remonter le niveau. Euh, où en étais-je, moi Oui, donc je disais, j'ai de toute façon Terraform qui est installé. Et normalement, je pense que son Terraform init ici, en ayant directement le provider libvirt, ça va venir installer le provider. <laughs> Sur ces 24 lives de C, il n'y a pas un printf. Sérieux, il n'y en a pas un seul Si, je croyais qu'il en avait mis un ou deux quand même. Mais c'est juste, juste pour les petits messages dans les poids, 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 des, euh, des fous-barres. Euh. Mais oui, effectivement, il veut montrer ce qui se passe en mémoire sur le code. Et c'est, euh, je trouve, une, une, chouette, euh, une chouette idée qu'il a. Bien. Donc... Pas de soucis, Xavier. Bonne, euh, bonne soirée à toi. Donc là, j'ai mon fichier. OK. Et si je tente un terraform init... Voilà, il me dit, eh, au fait, tout va bien, j'ai mon provider, il l'a installé. Donc, il a installé le provider tout seul. Et c'est ça qui est classe avec Terraform. Euh, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que là, pour le moment, au niveau de mon, euh, de mon code de, euh, de Terraform, c'est que je n'ai même pas indiqué où est-ce que je voulais me connecter. Et justement, je pense qu'on va y venir, puisqu'il dit, bah voilà, il va nous falloir euh, une ressource de, euh, de serveur virtuel. Et, euh, et donc, euh, on va mettre en URI QMU 2.triple slash système. Alors, qu'est-ce que c'est que, euh, que cette URI C'est tout simplement bah, où est-ce qu'on va aller se connecter. Et donc, pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter juste à la machine locale. Parce que pour le moment, je vais avoir un truc qui va pas être énorme en termes de ressources. Et puis, je ne veux pas casser tout de suite mon, euh, mon labo legacy. On ne sait jamais sur un malentendu, je pourrais en avoir besoin. Donc, pour l'instant, je vais tout faire sur la même machine. Normalement, normalement, ça devrait passer. Hein euh, j'ai une load de 1.12 1, et j'ai 6 Go sur 16 d'utiliser. Ça va. Et je crois que je m'étais mis juste au cas où, quelque part, euh, un petit NV top. Ouais, ça va, ça passe. Franchement, ça passe. Donc, pour le moment, on va rester, je, vais, je vais rester tout sur cette même machine. Et puis, quand, euh, quand, le, quand le labo va commencer à, à grossir, vraiment, euh, je vais, je vais peut-être commencer. Et puis, d'ailleurs, ce sera le test euh, de voir comment, euh, comment on peut euh, reproduire à nouveau euh, le, euh, le labo sur une autre machine. Parce que, de toute façon. Euh... Eh, il me reste plus gros. <laughs> Je pense que mes vidéos prennent vraiment... Les, vid les enregistrements de mes streams prennent vraiment de la place. Donc, je pense qu'assez rapidement, à un moment, je vais de toute façon passer sur, le, euh, sur la machine dédiée. Parce qu'en termes d'espace disque, ça ne va pas le faire, sinon. Bien. Alors. Donc, c'est plutôt cool pour le moment. Mon Terraform init, il est passé. Là, si je le relance, voilà. Pas de souci. Ensuite ressources, terraform test, on peut créer un domaine, oh, on va essayer, hein. hop, juste pour le principe, donc je reviens ici, et dans ce même euh, fichier terraform, je rajoute ça, et là normalement bah, je refais donc un terraform init, un petit terraform plan pour la bonne mesure, et il me dit euh, au fait, euh, oh il y a un truc de test, et il va aller chercher ça, opt slash com.core os, oh, amusant, et donc si je fais un terraform apply, ah, il me demande de, de, de confirmer. Voilà. Et là, il va commencer à créer des choses. Et il me dit, eh, au fait, c'est créé. Pas mal. Alors, est-ce qu'il m'a créé un truc Ouais, il m'a créé une, une VM Terraform Test. Elle n'y était pas avant. Hein. Elle n'y était pas. Alors, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a. Il bah, n'y a rien dedans, en fait. Alors, il m'a créé donc une VM avec un pauvre petit CPU en modèle QMU64, 512 MB de RAM. Il n'y a même pas de disque d'ailleurs. voyez, il a vraiment fait les trucs de base, il a même pas créé de disque. Et alors en termes de réseau, rien non plus. Voilà, c'est vraiment juste pour dire, j'ai pu popper une VM. Voilà. Et là, normalement, si je fais un petit Terraform show, il me dit au fait, voilà, il y a une VM en x86-64. Cumulation false. Machine PC, euh, hop, il a l'ID. Et donc, je vais pouvoir faire un destroy. Voilà. Enter value, yes. Pof, il détruit. Et hop, elle y est plus. Sans les mains. Voilà. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Et donc, c'est en local. Bien, bien, bien. Maintenant que j'ai ça. Alors bon là il parle, de, ouais, il parle de le faire Using Multiple Hypervisor Provider Instance Effectivement euh... Et ce qui est assez cool c'est qu'il y a aussi des exemples Voilà Et selon la version de Terraform il nous fournit des exemples Voilà là, là par exemple cet exemple là il permet de montrer comment gérer euh, à la fois un provider, euh, le provider local, enfin le provider libvirt local et un qui euh, est un en remote. Donc euh, quand moi je vais vouloir passer sur, mon, euh, sur ma machine euh, bien puissante, et eh ben je vais pouvoir utiliser, euh, utiliser ce format de connexion là. QMU plus SSH, paf paf. Alors, Euh, ce que je me dis maintenant c'est que je vais pouvoir commencer à, euh, créer, euh, à créer les sous-réseaux en fait. Parce que ça ça va être facile à faire, ça peut se, se, se créer, se détruire facilement. Donc je vais dégager ça. Pour l'instant ce fichier là il va rester comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tab new, voilà, dans mon VI, et puis on va créer, on va l'appeler networks.tf. Euh, et euh, je crois que j'ai une anti-sèche quelque part. Hop. Parce que oui, j'ai fait quelques tests sur un laptop, euh, entre guillemets, pour préparer le stream, même si préparer c'est tricher. Sauf le dimanche. Le dimanche, je prépare. Il faut préparer le dimanche. Alors, euh, l'occasion d'ailleurs de vous dire... Hein, euh, vu qu'on est à un peu plus de à peu près à, à la mi-stream. Donc je stream habituellement les jeudis et les dimanches. Le jeudi de 20h à 22h. Et, euh, et c'est plutôt euh, des trucs euh, découvertes, aventures, euh, nouvelles, des nouvelles technologies que je redécouvre, que je vais vous faire partager. Euh, et euh, et, euh, et c'est voilà, c'est plutôt des, des, des projets comme ça, comme justement le fait de refaire mon, mon labo réseau. Et euh, le dimanche, c'est quelque chose qui est un petit peu plus accessible aux débutants en ce moment, même si on commence à en voir euh, bientôt bientôt la fin. Euh, tout simplement, ce sont des TP, des TP Linux euh, pour apprendre à, se, à installer et à gérer un serveur web sous Linux. Donc on a fait, euh, on a déjà fait une dizaine de streams. Sur, sur cette thématique, les dimanches, de 18h à 20h, durant, euh, durant lesquels eh ben, euh, on est reparti, euh, entre guillemets, depuis zéro aussi, euh, à euh, comment on installe euh, un, euh, un Linux pour en faire un, un serveur. On a utilisé Debian, et puis on a vu comment gérer les utilisateurs, comment, euh, comment installer des packages, comment installer le serveur web, PHP, base de données, euh, ce genre de choses-là. Et. Euh, et il reste, je crois, 4, 4 TP, si je ne m'abuse. Et, euh, et globalement, euh, ça se passe plutôt pas mal. Euh, J'en profite d'ailleurs. Alors, les TP. Alors, oui, alors les replays. Je suis à la bourre sur les replays. Euh, je suis désolé, je suis à la bourre sur les replays. Normalement, euh, les replays restent de toute façon deux semaines sur Twitch. Et euh, malheureusement, j'ai quelques semaines de retard sur les. Euh, sur les. Euh, sur les replays que je mets ensuite sur YouTube. Mais ça va venir. Ça va venir, Arpenteur. Euh, pour le moment, je crois qu'il a que le premier TP qui est sur, euh, qui est sur YouTube. Et euh, du coup, il bah, y a le TP de la semaine dernière qui est sur, euh, qui est sur Twitch. Mais, euh, mais c'est vrai qu'entre les deux, pour le moment, euh, <laughs> ça laisse le temps d'y aller mollo. Okay. Euh, D'ailleurs, l'occasion aussi de vous signaler que... Euh, donc, on est le 21 avril. Euh, le stream de euh, dimanche aura lieu. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le stream de jeudi de la semaine prochaine et de dimanche de la semaine prochaine n'auront pas lieu. Je mettrai, je mettrai la chaîne en vacances euh, dimanche soir pour, euh, pour une semaine. Donc, euh, je voulais revoir comment, comment j'ai fait mes petits networks. Alors, à la base, on a, euh, on peut faire des. Euh, alors, je peux vous montrer d'ailleurs. Il y a pas mal d'exemples hein, là-dedans. C'est assez chouette. de euh, Volume, mais c'est pas ça que je voulais voir. Est-ce qu'il a mis un truc avec, euh, avec des réseaux? Euh, pop, 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 um, boot CD ROM. en CoreOS, j'ai un doute. Ouais, parce que généralement, il utilise le, euh, le réseau de base de Libvirt, le réseau default. Voilà, Network, Network Interface, Network Name Default. Mais donc, il existe des ressources. On va aller se balader d'ailleurs, tiens, dans le, dans le code du, euh, du provider. Euh, on va dans Libvirt, par exemple, et puis on peut aller chercher euh, Network, par exemple. Et là, on voit qu'en fait, il existe. Il existe une ressource qui s'appelle network. Alors je ne sais plus où elle est. Parce que là, il importe des trucs. Get IP from resource. Ouais, il indique plein de choses. Ce ne serait pas network def. Est-ce que le réseau a du DHCP, ce genre de choses-là Donc. Donc je veux créer une ressource. Je vais créer une ressource. Hop. ressource. Hop. Et... Euh... Hop. Alors. Et... Euh, le truc, il s'est planté. Génial. Alors, je le relance et puis j'arrive. Voilà. Hop. Très bien. Alors... Ici pour les ressources, si je regarde à nouveau, alors euh, où est-ce qu'il indique le nom de la ressource? Est-ce qu'on a quoi? Libvirt network mock test, non. Ressources libvirt, cloud, init, core domain, network, voilà. C'est celui-là qu'il me faut. Voilà, ressource exemple. Hop. J'aime beaucoup qu'il l'ait appelé k 8 net. C'est très drôle. On va, on va reprendre la même chose. Hein. Sauf qu'on va enlever les. Euh... On va enlever les, les commentaires. Voilà. Euh, D'ailleurs, j'aurais pu faire ça, ça, ça. Et euh, bah tiens, je vais le laisser. Et puis on va, on va le, on va le, euh, on va le déployer pour voir. Allons-y. Donc Terraform, juste par précaution. Puis je vais faire un, un je vais faire un apply moins auto approve histoire d'aller plus vite. C'est pas très bien dans l'absolu, mais, euh, mais ça marche. Donc là, il me fait. Euh, il me crée un, euh, un subnet. Donc là, si je vais dans mon euh, dans mon Virt Manager, vous allez me dire, bah on ne voit rien. On ne voit rien. Et euh, si je vais dans les détails de la VM, là maintenant, alors je suis désolé, je ne peux pas zoomer. Euh, mais j'ai un K vitesse net qui vient de se créer. Qui existe. Il est là. Voilà. Et donc si jamais je reviens ici et que je fais un Terraform Destroy, normalement, le sous réseau va disparaître voilà il dit il le détruit. Hop. et là vous voyez il est déjà plus donc pour créer et détruire des réseaux ça va ça va ça va assez vite euh, mais euh, cet exemple là c'est pas forcément ce que je veux faire parce que si je reprends mon, euh, mon, euh, mon schéma moi ce que je vais vouloir faire c'est créer euh, des, euh, des réseaux euh, des réseaux ici des réseaux d'interco et des réseaux euh, de, euh, de trucs comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais faire... Hop, je, vais dire, je, vais faire tiens, je, je vais commencer avec juste le réseau de l'ISP1, par exemple. Donc c'est euh, ce réseau-là, par exemple. Le 10.1.1.0 euh, slash 24. Donc on va l'appeler ISP1Net1. Euh, son domaine, ce serait euh, hop, on dire isp1.example.com. Mode NAT, on va voir après comment comment je vais m'y prendre. Et en adresse, on va le mettre en 10.1.1.0.24. Voilà. Déjà, on va voir si ça ça passe. On revient dans les détails. Pouf, j'ai un ISP1Net1. Ok. C'est cool. Mais euh, ça ne va pas forcément m'intéresser qu'il soit natté. Parce que justement, je vais vouloir que ma VM, mon routeur VM, soit le truc de nat. Donc de la même façon que là, vous voyez, j'ai... Euh... Alors là, de la même façon. Alors déjà, je vais peut-être vous montrer sur Marvin. Détail. Voilà. Là, tous les, tous les réseaux que j'ai à côté, là, c'est des réseaux... Euh, D'ailleurs, je peux peut-être le montrer autrement. Ce sera plus sympa. Si je, re, si je me reconnecte sur Marvin. Et que je fais un sudo euh, via SH. Alors, j'ai dit netlist. Voilà. Et que je fais un net edit de, euh, bah, par exemple, l'ISP1net. Avec 2D, ce ne sera, <laughs> sera pas top. Voilà. Et euh, Manon qui dit il faut qu'il soit en pont côté one et qu'il soit sur le réseau privé interne des VM qui seront connectés dessus. Alors ce serait pas forcément un pont, c'est qu'en fait là tu vois euh, le réseau ISP euh, ISP1 net sur euh, sur mon euh, sur mon lab legacy. Euh, oui il a il a un bridge mais le bridge il est il est connecté à rien. Enfin tu vois là j'ai rien, j'ai même pas de subnet, j'ai même pas d'IP. C'est juste euh, il y a un bridge et il s'appelle ISPnet 1 net entre, entre, entre très gros guillemets. Il y a, il y a éventuellement un domaine name, mais voilà, ça s'arrête là. Parce qu'en en fait, si jamais je reviens euh, sur, euh, sur ce code-là, ce code-là, il fait déployer euh, à, euh, à Libvirt le fait que c'est du NAT et le fait qu'il y a un sous-réseau. Donc, ce qui va faire déployer à Libvirt aussi, euh, c'est la conf. De, euh, alors c'est DNS Mask derrière euh, pour, euh, pour avoir un DHCP et, euh, et qui gère ce subnet là. Et euh, il va aussi gérer au niveau de euh, Firewall D euh, le fait de pouvoir natter pour pouvoir sortir sur internet depuis ce sous-réseau-là. Et donc ce qui est intéressant c'est que bah, il existe des réseaux donc isolés. Là, on le voit dans mon. Dans mon alors, hop, je vais le rev revenir ici. On le voit ici, ça c'est un réseau isolé. Il n'a aucune définition. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir dans. Euh, dans mon. Euh, hop, dans ma définition ici, le truc, c'est que moi je veux pas qu'il y ait de DHCP, vu que je vais le gérer avec ma VM. Je ne veux pas qu'il y ait de NAT, puisque c'est la VM qui va natter donc le mode euh, le mode en fait on met none pas de mode du tout et euh, pour couronner le tout on ne met pas d'adresse le truc c'est qu'il va chouiner il va chouiner parce que euh, il va me dire eh, au fait euh, voilà c'est euh, ça craint d'ailleurs même le domaine dans l'absolu on n'est pas obligé d'en mettre et en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire un DHCP et on va lui dire hop, on va lui dire enabled égale false. Et on va reprendre la même chose et on va lui dire pareil pour le DNS. D'ailleurs, je vais laisser le domaine en fait. Le domaine, il est indispensable. Donc je vais l'appeler euh, ISP1 net1. D'ailleurs, hop, petit typo ici, c'est ISP1 net1. Voilà. Euh, je, vais laisser, ouais, je vais laisser le domaine comme ça. De toute façon, ça ne sert pas à grand chose ici. Et donc là, je l'avais appliqué. Ouais. Si je le réapplique, normalement il détruit et il recommence. Voilà. Il en détruit un et il en rajoute un. Donc si je reviens ici, bah je peux peut-être mettre carrément enfin, un sudo euh, virsh, c'est ça, net-list en local, et là on voit j'ai mon euh, ISP1, euh, alors virsh net edit, ISP1 net 1. Et là on peut voir, bah, j'ai euh, voilà, rien du tout, alors il ajoute le dns enable à no, mais euh, globalement, euh, voilà, il m'a fait, fait, fait juste un virbr en fait. J'ai euh, perdu énormément de temps sur cette bêtise-là. J'ai dû passer une heure, une heure à, à, à aller regarder comment faire, en mettant les trucs vraiment en, 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 en particulier pour le, le, le non en fait. C'est tout ça sur lequel j'ai perdu beaucoup de temps parce que c'était pas forcément documenté. Il n'y a pas grand monde qui a envie de faire ça en fait. Bon, alors là, vous allez me dire, ok, c'est cool, Nils, euh, tu as fait, euh, as fait ton, premier, euh, ton premier subnet, enfin ton premier euh, réseau virtuel, alors dans lequel il n'y a pas grand-chose. Mais euh, on ne va pas te regarder euh, copier-coller euh, ce, ce snippet de code, surtout qu'il y a euh, au bas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 subnets. Franchement, euh, on peut peut-être essayer de. Euh, comment dire Peut-être essayer de. De faire un truc un petit peu plus. Euh, comment dire Factorisé. Et en fait, c'est possible. C'est possible. On va d'abord créer une variable. Et cette variable. On va l'appeler list of network. Salut à toi, ne me fais pas rire. Alors list of networks. Hop. Ça va être un type égal list. Alors hop, In et on va lui donner en valeur. J'écris default, mais bon. Hein, euh, hop. Et on va commencer à lui mettre ça ici. Hop. Ça là. Et donc je peux faire ISP1net1 pour démarrer. Et puis bah du coup je vais pouvoir rajouter comme ça euh, les, les réseaux de mes, euh, de mes opérateurs. Donc, je vais pouvoir faire l'ISP2NET1. Alors, certes, je pourrais faire. Euh, alors, il existe justement, on va, on va voir après, il existe hein, des mécanismes de boucle. Mais en fait, j'ai pas voulu, euh, dès la, la génération des noms, euh, mettre des, euh, des boucles euh, pour éviter de complexifier la chose. Parce que là, j'ai donc l'ISP4. Hop, on va faire le 5. Et on va faire le 6. Et puis ensuite, on va vouloir faire les réseaux d'interco. Je vais le rajouter ici tout de suite. On va faire ISP1 vers ISP2. Et puis, euh, je crois qu'on a vers ISP6. Hop, vers ISP6. Voilà. Déjà, rien que ça, ça va être une belle liste. Et en fait, pour pouvoir profiter de cette liste et, euh, et pouvoir euh, utiliser tout ça, on a un truc qui est euh, ce qu'on appelle le count dans, euh, dans, euh, dans Terraform. Et euh, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un count. Hop. Alors, je pourrais très bien euh, donner ici un nom euh, bidon et mettre count1, 2, 3, 4. Et en modifiant... Les, les variables, enfin pas les variables mais les trucs de name, je pourrais comme ça euh, avoir une boucle qui va me faire X, X réseau. Mais là euh, il est possible de faire joujou euh, ça c'est pareil, j'ai découvert ça lors de, mes, euh, lors de mes tests. Et on peut se faire hein, euh, vérifier la longueur en fait de euh, bah, notre variable qu'on vient de définir, qui est donc list of networks. Et moi je trouve ça assez classe. Donc comme ça là, en gros, je peux euh, je peux euh, Je peux rajouter des, euh, des réseaux à créer. Et il va me créer des réseaux. Alors vous allez me dire, mais euh, ils vont tous s'appeler ISPNet1. C'est un peu. Enfin ISP1 net1, c'est un peu nul. Donc là aussi, on peut faire joujou. Euh, et on va commencer à faire joujou avec, ben en fait, euh, certains trucs genre var.list of of networks. Et là, on va aller compter en fait. On va aller dans l'index en fait de euh, du truc. L'idée en fait, c'est que le nom, il va aller dire au fait, euh, d'ailleurs, je me suis un peu trompé là. Hop. Voilà, la petite euh, la petite typo qui a failli euh, tout casser. Euh, et c'est normal parce que la typo je l'ai faite ici. Voilà. Et en fait l'idée c'est que euh, là, je vais utiliser euh, euh, la, la, longueur, euh, la longueur de la liste. Qui, euh, qui fait déjà euh, donc, 6, 7, 8, euh, 8 réseaux. Euh, et à chaque fois, je vais aller regarder dans euh, là où j'en suis euh, pour récupérer le nom du réseau. Euh, en utilisant le, euh, le la liste qui est là. Euh, le domaine, eh ben on va faire pareil. Il va valoir la même chose en fait. Euh, je pourrais même, je pourrais même, parce que je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure. Euh, non, pas ici. Hop, ici. Euh, là, on avait des réseaux. Et quand j'avais édité mon ISP1net1, mon enfin, isp euh, il, a, il a, un bridge ici. On peut, on peut définir le, nom, le numéro du bridge dans, dans Terraform, dans le provider libvirt. Alors je ne l'ai pas fait, euh, je pense pas que j'en aurais besoin. Bah ben, voilà, c'était là, isp 1 virbr2. Euh, je pense pas en avoir besoin, mais, euh, mais j'ai vu que c'était possible. Ok, donc là, normalement, si je fais un terraform apply, il va me faire tout un tas de sous-réseaux. Et auto-approuve. Bim, voilà. Alors, on va, on va remonter parce que ça a été quand même assez rapide. Mais il me dit, eh, au fait, j'ai... Euh... Ok, donc là, il va utiliser... Euh... Tac, tac, tac. Ça, ça, ça a bougé, donc ça, a priori, il ne le touche pas. Et là, il fait... Eh, au fait, ISP1Net1 va être créé. Ok, ils les appelle tous ISP1Net1. Non. J'ai fait une boulette, hein Alors, voyons voir. Si je reviens ici. Non, là, je suis sur Marvin. Donc là, il a créé des trucs. Il en a créé, hein. Il les a créés. Donc si je fais un net, euh, netlist, qu'est-ce qui se passe bah, il, me les a... ah, il me les, ISP1, 2, 3, 4, 5, 7. Ok. Donc il me les a créés. C'est juste que en fait, ici, c'est ce nom-là qu'il a utilisé. Donc je vais le corriger et je vais l'appeler juste ISPnet. Juste ISPnet. Voilà. Alors la question que je me pose, c'est que si je fais un Terraform chaud, euh, si je fais un refresh. Ok. Et donc, si je tente un apply. 8. Ah, donc il va il va vraiment. Oui. Il va les, il va les supprimer. Il va les. Ok. Non. Donc, on va faire un destroy. Voilà. Yes. Alors, j'aurais pu faire un apply. Il, il allait les détruire. Hein. Mais. Euh, mais. Euh, apply. Voilà. Yes. Mais avant, on voit bien que. ISP net. Et celui-là, ce sera isp 6 net 1. Ok. Alors, si je remonte, si je remonte, voilà. Il, va, il démarre à 0 et il va à 7. Donc, il y en a 8. Et à chaque fois, c'est... Euh, voilà. Ce que je lui ai dit. Et donc, voilà, le bridge. Le bridge et l'ID seront connus une fois qu'on aura appliqué. Et donc, euh, DNS. Ok. Mode None. Parfait. Donc, ça, c'est cool. On envoie. Voilà. Là, là déjà, c'est pas mal. Moi, je trouve que déjà, c'est pas mal. Euh... Maintenant qu'on a, euh, a une première liste de, euh, de sous-réseaux, d'ailleurs ce que je vais peut-être faire dans un... Ouais non, je vais les laisser. Euh, ce que je suis en train de me, euh, de me dire, c'est on va peut-être passer à la création de, euh, de machines virtuelles. On va passer à cette création, mais il va nous falloir des images. Il va nous falloir des images, et ça, ça c'est pas une mince affaire. Euh, ce que je vais vouloir faire, je pense, c'est euh, aller, euh, aller récupérer des images euh, de systèmes d'exploitation qui sont prêtes à être déployées. Alors, vous vous rappelez, euh, lorsqu'on a fait... Euh, lorsqu a fait euh, alors, vous vous rappelez ou pas, euh, ça va être l'occasion de, de revoir. Euh, mais quand j'ai fait mes vidéos sur Cloudinit, j'avais pu créer, euh, quelque part, un template de VM prêt, euh, prêt à être... Euh, prêt à être utilisé. Alors, histoire que le truc soit vraiment réutilisable, plutôt que d'aller chercher un template de VM moi-même, hein, on va aller sur euh, Fedora Linux. Hop, get Fedora, c'est cool. Euh, Fedora Server, en savoir plus. Et dans les téléchargements, hop, Fedora Server. Alors, euh, On a, des... Alors, on a des images. Ça, c'est des images ISO. Mais ensuite, on a une page Fedora Cloud. Et ça, c'est sympa. Parce qu'il propose. Voilà. Il propose. Image Cloud Base. Une image brute compressée. Une image Cloud OpenStack. Au format QCO2. Ça tombe bien, Libliverse comprend le format QCO2. On a un truc pour Vagrant. Alors, bon, pour GCP, nous, ça ne nous intéresse pas. Hein. Cloud public Amazon non plus. Donc c'est plutôt pas mal. Et euh, ce que je me dis, c'est qu'on pourrait prendre ça. Et ce qui pourrait être très drôle, tant qu'à faire, puisque Fedora 36 sort dans pas longtemps. Donc je viens de copier le lien, je vais regarder ça. Et je me dis que si je tente un release 36, est-ce qu'ils est ont déjà sorti la release ou est-ce que je... Non, not found. Ah, c'est dans test. Voilà, 36 bêta. Et dans cloud, x86-64, image. Et on a... Et on a l'image QCO2. Je pense que je vais prendre cette image-là. Hop, on copie le lien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre ça. Non, pas sur Marvin. Euh... Je vais aller ici. Euh, si je fais ça, l'espace un instant. Ouais, c'est bon. Alors, je ne vais pas le mettre dans l'image, je vais le mettre dans le boot. Ah, j'ai plein de choses. Hop Et donc là, j'ai une image qui fait 389 mégas. Ça va. Ça va. Ça aurait pu être pire. Hop. Donc, ce que je vais me faire, c'est que euh, pour l'instant, je vais l'appeler euh, on va l'appeler ISP1 compute.tf. Voilà, et, euh, et ensuite, ce qu'on peut envisager. Euh, Euh, ce qu'on peut envisager de faire, bah c'est de commencer à créer une ressource, une ressource de VM. Alors, comment est-ce qu'on fait des ressources de VM Alors, euh, je suis tenté de dire, on l'a vu dans des, dans des trucs. Là, on a, on, a, on a normalement on a le code, mais on a aussi des exemples. Alors, s'il veut bien me remontrer les exemples. Non, ça, c'est le hop, View Code. Voilà. Examples. Euh... Ah ben voilà il y avait un exemple de count par exemple ici pour créer des pour créer des VM euh, je crois plusieurs ouais euh... et on va prendre tiens tumbleweed alors ça je crois que c'est non euh, coreOS, tiens parce que je crois qu'il indique ah il a le mis ouais bon alors version, donc ça c'est parce qu'il a une, euh, ouais, il requiert la version de Terraform, ok. Et on a main.tf. Donc <coughs> il nous met le provider, il nous met le nombre d'hôtes, hostname format, ok. Euh... Et alors, ce qui va être intéressant, c'est que euh, il propose un endroit, voilà, libvirt volume, core os core os -disc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tab new. Et moi, ce que je vais vouloir faire ici, c'est créer euh, un... Euh, euh, on va faire un volume.tf, je pense. Voilà. Et donc, on va créer une ressource qui va s'appeler libvirt. Volume. Comme ce qui est indiqué ici. Hein. Voilà, de volume. Et on va l'appeler euh, Fedora euh, image. Ce sera notre image de base de Fedora. Et donc, name. On va l'appeler justement Fedora image. Euh, pourquoi j'ai mis un plus Voilà. Une fois que j'ai mon euh, une fois que j'ai mon nom, et eh ben... Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir dans euh, la ressource l'ID count volume base volume name. Alors où est-ce qu'il a mis son base volume name C'est ça je veux vous le montrer. Tiens, il l'a pas mis ici Non plus. Ah c'est dommage ça dans cet exemple-là qu'ils ne le mettent pas. Parce que l'ignition.tf, ça c'est juste pour, euh, pour la partie core OS. Donc ça c'est vraiment du, euh, du spécifique core OS. Euh, je vais regarder dans le Ubuntu, à mon avis ça peut être indiqué. Ubuntu example. Alors. C'est ça, voilà. Il met une source, en fait. Et donc là, ce qui est assez marrant, c'est qu'il peut carrément aller le télécharger depuis, euh, depuis le site. Alors bon, moi, je l'ai mis en local. Mais euh, ça pourrait être intéressant de le, euh, de le mettre en, en source publique. Mais on verra peut-être ça à un autre moment. Donc, euh, moi, j'ai mis... Je suis dans Omnilsleepvirtboot. Voilà. Donc, on va faire un source. Égal... Tac et le fichier s'appelle comme ça. Alors à limite, ce qu'on va faire, ça, ça peut être amusant. Je vais euh, reprendre, hop, je vais copier l'adresse du lien parce que ça, ça, serait amusant, tiens, hop, voilà. Et je me demande ce que ça donnera, parce que là du coup j'ai mon image, j'ai mon image de base. Et ensuite, et ensuite, je vais pouvoir euh, la mettre dans un pool. Et euh, ce que je vais faire, c'est que notre pool, euh, on va l'appeler. Bah. Alors j'ai quoi comme pool de stockage actuellement Si je regarde sur ma, sur ma machine actuelle, donc ça c'est les Marvin. Si je vais dans les détails, là, en termes de stockage, j'ai normalement mon pool euh, Niels euh, underscore images. Ce sera bien celui-là comme pool. Allez. Pour le moment, on va être... Euh, voilà, on va, on va juste faire ça comme ça. Euh... Là, j'ai rien. Là, j'ai ça. Ok. Donc si je reviens ici... Euh, ce que je vais faire, ça, je vais faire un RM du. Euh... Je vais effacer. Ce... Je, je vais le bouger en fait. Hop. Voilà, je vais le bouger dans mes downloads, comme ça au cas où. Donc là, j'avais fait un apply. Euh, si je refais un apply, qu'est-ce qu'il me dit Qu'est-ce qu'il change Et bien, il change qu'il ben, qu va créer justement le volume euh, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe Donc il va télécharger le fichier, je suppose. Et est-ce qu'il va me le mettre dans... Euh... Il m'a créé un fichier qui s'appelle Fedora Image. QMU qco 2 Est-ce que je peux faire un petit, un petit MD5Sum, Vitof Ouais et si je fais un petit md5sum De euh, Donc je l'avais mis dans downloads hein. Fedora cloud base 36 bêta Et il, il, il correspond C'est génial ça Il correspond Alors je vais faire un destroy Voilà Et donc là en toute logique Il devrait le dégager Voilà, no such directory. Oh, ça c'est classe! C'est classe! Bon, il leur télécharge à chaque fois, mais c'est classe. Euh, mais je me rends compte que du coup, s'il s'appelle euh, Fedora Image, on va l'appeler euh, Fedora Image.QCO2. Ce sera mieux, non? Allez. On apply. Et il est en train de me le télécharger. Tranquillement. Voilà. En maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener... Je vais ramener cette image-là. Voilà. C'est histoire d'éviter de passer du temps à retélécharger le truc inutilement quand je fais des destroy et des apply, Tout simplement. Ce serait dommage de, euh, de pas. Enfin, euh, de, de gâcher de la bande passante comme ça. Euh, donc là, j'ai mon image, c'est cool, mais à la base, moi, je veux popper une VM. J'aimerais bien réussir à popper une VM avant la fin du stream. Ce serait intéressant quand même. Euh... Donc là je suis dans volume, je vais revenir ici. Et ce que je vais vouloir faire, c'est bah, créer une euh, ouais, créer ma, ma VM. Alors, pourquoi il crée un répertoire ici? Hum, Quoi est-ce qu'il crée euh, son répertoire Donc là le, le truc, il a créé une image, ok. Bon le user data network config ça c'est du cloud init. Mais on verra plus tard. Voilà, là il crée la VM, ok. Là ça m'intéresse. Là ça m'intéresse pas mal. Euh Alors, ce qu'on pourrait peut-être tenter dans ce cas-là, on va lui dire... On va faire une, une ressource bah, qui va être un livre-dire-domaine, hein, vu qu'on l'a vu. Voilà. Et on va l'appeler euh, ISP, euh, ISP1... Euh pour l'instant, on va, va peut-être juste l'appeler ISP1, euh, je sais pas moi. Euh, j'ai appelé Compute, euh, on va dire VPS1. Ah, allez, juste au cas où. Voilà, et on referme notre. Euh... Alors, c'est pas les parenthèses, c'est les accolades. Euh... Une fois que j'ai euh, mon truc comme ça, bah, on va lui donner un nom. Sauf qu'en fait, je lui ai déjà plus ou moins déjà donné. Hop, voilà. Euh, de la mémoire. Voilà, ouais, ça peut être pas mal de lui donner de la RAM. Euh, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre euh, un gig de RAM, ça devrait suffire. Hein. Allez, un gig de RAM. Et puis, euh, ouais, du VCPU, ça peut être pas mal. VCPU. Moi je vais être généreux, je vais lui en donner deux pour le moment pour qu'il aille un petit peu plus vite. Euh, pour l'instant, la partie CloudInit, on s'en tape. Euh, on va lui mettre. Alors, on va lui mettre l'interface réseau en effet. Et on va la mettre dans le network euh, default pour le moment. Mais on, on verra après si on ne peut pas la bouger dans, euh, dans l'autre réseau. Mais c'est juste que pour l'instant, je, euh, je crée le. Euh, comment dire je crée les machines de compute avant les machines de, euh, de, euh, de routage. Euh, histoire, pour le moment, d'avoir un premier truc simple. Donc, j'ai mon network interface, ok. Euh, ensuite, alors oui, sur les images de cloud, ça tend, bon, ok, allez, si tu veux. Moi, ça m'arrange d'avoir en plus une, une console série, c'est cool. Et on va rajouter d'ailleurs aussi la console, euh, la console graphique. Hop Euh, le volume, enfin le, le disque, avec le volume ID, ça, ça va être intéressant. Hop. Alors là, c'est pas Ubuntu, machin chose. Ça va être un libir de volume, hein, puisqu'on l'a créé, créé ici. Et il va s'appeler Fedora underscore image. Hop. Fedora underscore image. Si je, si je dis bien. Euh pas des bêtises. Ah oui, puis la, la partie graphique. Ah mais en fait, ouais, il y a la console série, il y a la console euh... Hop. Donc là, normalement, on devrait déjà avoir un premier truc. Euh pop pop pop. Bon. Alors, je pense que le volume ID, il me euh, il me manque un truc. Mais euh... On va bien voir. On va bien voir. Qu'est-ce qui se passe si j'apply maintenant Alors, un giga de RAM, c'est pas mal en cette période de Pâques. Un giga de RAM <laughs> Un giga Oh là Ah ouais, un gigot. ouais C'est bien ce que je me disais. Un gigot de RAM. <laughs> ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Ok, et eh bah ben, écoute on va y aller. <laughs> oui, 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 effectivement ça pourrait être une idée pendant les vacances que je, euh, que je, que je fasse cette histoire de, euh, de petites caisses claires. Euh... Mmh Donc a priori il a il a déjà complété le truc. Alors euh, ouais elle est là Et si je fais un petit sudo Via SH list il est running elle est là et donc si je fais un virage console de ça, Fedora login. Alors bien entendu, j'ai pas le mot de passe. Hein, si je tente route, route. En fait c'est une image cloud qui n'a pas vraiment de mot de passe. Euh, je suis même pas sûr qu'il y ait un Fedora Fedora. Voilà. Mais, euh, mais voilà, elle a, elle a booté. Si je me connecte là comme ça, on voit qu'elle elle existe. Voilà. Elle existe. Et donc j'ai une console, j'ai une console Graphic Spice et j'ai la console série ici. Donc ça c'est très cool. Voilà, ça c'est très cool. Euh, maintenant, on va pouvoir la destroyer. Euh, maintenant non, pas apply. Destroy. Hop là. Yes je veux tout détruire. Euh, je vais la recréer parce qu'il y a un truc que euh, je voulais vérifier. C'était l'histoire de l'emplacement du disque. Parce que je n'étais pas très sûr quand même. Et donc, a priori, il a créé l'image Fedora. Ok. Donc là, il est en train de booter. Ok, il a booté. Et mon Virtayo 10 il l'a mis où? Image, Fedora image. Donc ça, ça m'embête un peu. Ça, ça m'embête un peu. Alors pourquoi est-ce que ça m'embête Parce que si je... Ce que je veux, c'est avoir une image de base. Je veux avoir une image de base. Donc ça je vais le travailler un peu. Je vais le travailler un peu. Euh... Mais euh... est-ce qu'on aura le temps de voir ça Je pense pas. Euh... Est-ce que je peux lui donner un nom directement? Euh... Euh... Si je regarde eux, comment ils ont fait? Nanana, ah, il y a un truc dans les counts, je crois pour créer plusieurs VM. Ouais, c'est ça, il avait un, un count à ce niveau-là. Et lui, ensuite, le volume ID, c'était un élément, et il faisait un count.index. Ok. Euh, et donc, il avait l'image OS, et ensuite, il avait un livre de volume. Donc il faudrait que je crée un autre volume avec en base volume ID et un nom euh, spécial. Ok. Ça, ça doit pouvoir être rapide. Donc ici j'ai mon compute. Mais je rajoute ici une ressource. Une ressource qu'on va appeler bah, euh, libvirt volume, effectivement. Et on va l'appeler... Euh, Je pense pas que ça va le faire, donc on va le payer comme ça. Euh... Et ensuite, si j'ai bien compris, hop, je peux lui dire ici name égal. et bien ce sera ISP1ZPS1. Euh... Je vais peut-être le mettre en point QCO2. On verra s'il le rajoute deux fois co 2 Voilà Et il euh, faut mettre Base Volume ID Qui sera du coup ce truc là Si j'ai bien compris Et ensuite quand je vais dans mon euh, Dans mon disque ici Il lui dit que c'est libir de volume.volume.id Donc ça veut dire que ici ça va être libir de volume Et pas Fedora Image, mais euh, ce sera ISP1VPS1 un un vol. Hop. Voilà. Donc ça, normalement, ça devrait marcher. Et ce sera le dernier truc qu'on verra ce soir. Donc normalement, tout est détruit. Et là, qu'est-ce qu'il me dit euh, LibvirtVolume de volume Fedora image va être créé, il y en a, ok et ensuite le volume name base volume ID form. Okay. Allez c'est parti. Donc là il a tout créé. Sudo virsh list, j'ai mon, euh, mon truc. Euh, si je fais un edit comme ça en ligne de, en ligne de commande, hop, je peux peut-être même voir la, la source pool default isp 1 vps 1qco 2 Ok, alors on va les regarder dans mon truc. Donc j'ai bien, j'ai bien ma VM qui s'est lancée. Et je vais voir ici, donc CPU j'en ai bien deux mémoire, j'ai un gig de RAM j'ai oublié de regarder virtio qu'est-ce qu'il me dit var lib -lib images bon, alors il l'a mis dans le default euh, il l'a mis dans le default mais sinon il a, créé, euh, il a créé le nom il a créé le nom, donc on va destroy j'ai un peu menti en disant ce sera le dernier truc mais là je pense qu'on peut faire ça vite fait voilà, il le destroy et ce que je voudrais c'est Là on dit pool et eh ben je vais faire la même chose. Je vais voir si ça marche. On va mettre la même chose. Voilà, comme ça il sera aussi dans mon home. Allez, c'est parti. On apply moins auto approve. Voilà. Source, ok, tac tac tac. Le pool il l'a pris en compte. Il l'a pris en compte. Enfin, c'est ce qu'il dit. On va aller vérifier. Donc là, il finit de booter. Virt iodisk, omnil, virt image. Oh yes Et pour le moment, il mange ben, 0,19 MEG. Ok. Super Mais c'est génial ça Allez. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme code là-dedans euh, ah, il y en a des choses. Hein. Il y en a des choses. Euh, bon, ça, c'est à peu près, euh, à peu près propre, je pense. Volume, ok, c'est cool. Donc bon, je laissais la source comme ça. Je pense que je ferai un, des trucs un petit peu plus propres la prochaine fois. Ça, on va rester comme ça. Et le main, on va le laisser comme ça. Résultat des courses, on a quoi ici On va dégager tout ce qui est fichier de backup et puis on va se faire un petit euh, git add euh, étoile.tf et on va dire que euh, c'est euh, first, euh, first steps allez hop je vais juste appeler comme ça git push Git push. Voilà. Et normalement, si on revient ici, hop, la base code, first step, donc il y a le Terraform. Le code Terraform est là. Voilà. Bien, 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 bien. Et ben, on va pouvoir en rester là. Je pense que c'est euh, un bon moment pour. Euh, pour conclure cette, cette première vidéo, finalement, je suis rentré plus vite dans le vif du sujet que ce que je pensais. Mais je pense que si j'avais fait deux heures de, euh, de schéma, vous m'en vous auriez, vous auriez peut-être voulu. <laughs> euh... Pour le moment, on n'est pas encore vraiment à l'image de, de ce qui est documenté, puisque j'ai juste créé une première VM qui, en plus, est dans le réseau default. Euh, toutefois, euh, toutefois, eh ben, euh, ça va être, euh, ça va être un premier départ. Euh, la prochaine vidéo, je pense, on va essayer de, euh, de se, euh, s'attarder un petit peu plus sur le routeur. Et, euh, et si jamais on a le temps, on pourra peut-être commencer à faire un peu de, euh, de conf autres que Terraform, peut-être du Cloudinit, on verra. Mais euh, on va s'attarder sur le routeur. Puisque c'est un peu le, le nœud central euh, du, euh, du euh, comment dire, du bah, de tout ce lab et euh, le routeur virtuel. Euh, J'ai fait des essais, et croyez-moi, c'est un sacré morceau. Je pense que ça va être très intéressant. Euh, si jamais euh, vous voulez euh, revoir, enfin, si jamais vous voulez suivre cette, euh, cette aventure qui démarre, eh bien, euh, c'est une aventure qui aura lieu chaque, euh, chaque jeudi, sauf, euh, bah, sauf, euh, sauf jeudi prochain, du coup. Euh, C'est une aventure qui a normalement lieu chaque jeudi entre 20h et 22h. Et, euh, et sinon, euh, les dimanches, mais du coup, pas enfin, ce dimanche qui va venir, mais pas celui d'après, euh, les, euh, euh, les TP euh, Linux accessibles aux débutants de 18h à 20h. Euh, vous pouvez retrouver ben, les replays euh, pendant deux semaines sur Twitch. Et, euh, et je, vais, je vais profiter justement du, du temps libre que je vais avoir pendant que la pendant qu'il y aura la semaine de, euh, de pas-stream, où, où justement euh, je vais commencer à, à mettre certaines vidéos en ligne sur, sur YouTube. J'ai un backlog assez conséquent, j'en suis conscient, mais, euh, mais croyez-moi que euh, je, vais, euh, je vais faire en sorte que ce backlog se réduise et que vous puissiez en profiter sur le long terme. N'hésitez pas, euh, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire comme arpenteur il a fait ce soir, c'est-à-dire que vous pouvez me follow. Euh, c'est euh, très gentil, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Euh, et vous pouvez euh, aussi me soutenir euh, par euh, d'autres moyens comme bah, euh, euh, le sub, les bits euh, et les abonnements à la chaîne YouTube qui eux aussi sont gratuits. Voili <laughs> voilou, voilà, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée pour celles et ceux qui m'ont suivi durant, euh, durant cette, euh, cette soirée de début d'aventure. Euh, de, de réseau euh, je vous donne donc rendez-vous euh, dimanche pour la partie euh, pour la partie euh, TP, euh, TP Linux débutant et, euh, et du coup à dans euh, quelques jours pour la suite bye bye